Je suis pas ultra à l'aise parce que je suis pas du tout habituée à faire ça comme ça. Parce que déjà, je n'entends pas du tout le rendu. Donc j'ai peur qu'il y ait des bruits désagréables. D'ailleurs, je ferai peut-être mieux d'attacher mes cheveux. Après, pour être sûr que ça ne vous gêne pas. Déjà, j'ai décidé de faire cette vidéo-là, car je sais qu'il y a des personnes qui apprécient tout particulièrement l'ASMR Lofi, donc basse qualité. Et par exemple, moi c'est mon cas, je regarde essentiellement, enfin quasiment essentiellement, de la vidéo ASMR Lofi. Car le bruit blanc et tout, ça me déclenche. Donc voilà, j'espère que ça plaira quand même à certains d'entre vous. Puis ben, ça change un petit peu. Donc j'ai prévu différents objets, différentes petites choses. Et on va tester ça ensemble. D'abord, je vais peut-être m'attacher les cheveux pour être sûre. Désolée, j'essaie de voir si tout est bien mis. Donc on va commencer avec cette petite gourde Animal Crossing. J'ai aucune idée du rendu. ASMR comme ça. Le son me paraît plus naturel entre guillemets. C'est une petite gourde que j'ai eue avec la précommande de ma Switch Animal Crossing chez Micromania. On peut voir Marie. Je l'utilise jamais. Je la trouve pas nécessairement belle ou quoi que ce soit. Changer d'objet. Là, j'ai sélectionné un de mes super pinceaux de chez Nocibé. Je les adore, ces pinceaux. Ils sont trop doux. Du coup, je vais essayer de faire.
étrange de ne pas entendre ce que je fais. Là, je sais pas du tout ce que ça rend. Je peux tester de caresser avec, mais je sais pas du tout si ça va être agréable. Donc si c'est vraiment chaotique, je l'enlèverai au montage. Donc si ça coupe maintenant, vous saurez pourquoi. Ensuite, je vais prendre ceci.
sushis au caramel. Elles sont trop trop bonnes. Et j'adore le tapping dessus. Si vous, de base, vous n'êtes pas très adepte de ce genre de vidéo, j'espère qu'elle vous a quand même plu si jamais vous l'avez regardé. Moi, personnellement, j'adore ce genre de vidéo. Et chaque fois que je découvre de nouvelles chaînes ASMR qui font ce genre de vidéo, ils finissent toujours par acheter un Blue Yeti ou ce genre de. Je suis très triste à chaque fois. Donc il arrive que je ne puisse plus les écouter, car ça ne me relaxe plus. Mais il y a certains qui me relaxent toujours autant, même avec un bon micro. Et ça, ça montre aussi l'habilité de l'ASMR artiste, entre guillemets. S'il est toujours relaxant, peu importe le micro utilisé. Enfin voilà. J'ai pas voulu faire une vidéo trop longue parce que je sais pas si ça vous plairait, donc voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une